J'étais quand même assez surprise que Naomi Osaka annonce qu'elle change d'entraîneur. Parce que quand même, quand on vient de gagner l'Open d'Australie avec un entraîneur, avec son staff, je pensais à aucun moment qu'elle allait changer, vu que normalement, quand quelque chose marche, on le garde, quoi. L'Open d'Australie, on a appelé la numéro 1 mondiale. Et en fait, elle est rentrée sur le terrain à la place de Simona, donc c'était vraiment marrant, parce qu'on la voit faire l'aller-retour. Et elle est rentrée dans Simona Halep, après elle s'est excusée, mais c'était vraiment marrant. L'Open d'Australie. J'ai eu la chance donc de pouvoir assister à son entraînement, donc j'étais vraiment hyper contente de le voir jouer Roger. J'étais très très proche du court, donc c'était vraiment hyper intéressant. Les joueurs pros, ils font des exercices très très courts. Ils mettent tellement d'intensité dans la balle qu'ils font vraiment beaucoup beaucoup de fautes, alors qu'en match, ils vont en faire zéro. Mais en tout cas, ouais, ils travaillent vraiment la puissance de frappe plutôt que la régularité. J'adore Roger.